Merci beaucoup. Et qu'est-ce que il y a un diamant. Vous êtes dans l'opposition. Et dans cette opposition, vous devez jouer un rôle central. On ne peut pas comprendre. Ce n'est pas bien. Est-ce que ta soeur est finie? Est-ce que ta soeur est finie? Applaudissez, mes chers parents. Sans le dites-moi. Qui dise la vérité? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Avec Yaï Boni, nous avons eu de l'électricité. Yeah, ouais. Nous avons eu des forages un peu partout. Mais c'est faux. Rien n'a été fait. Allez à gauche, allez à droite, couchez-vous contre les autres, relevez-vous. C'est pas normal. C'est ça ce qu'on appelle le leadership pathologique. Le nien-ouais, nien-dier. Et c'est ça la vérité. Vraiment, vous nous donnez raison. Quand ça c'est fini. Quand ça c'est fini. Jamais. Yaï Boni, c'est fini. Je vous lâcherai jamais. Parce que votre compagnie est agréable. Mais la Koumza a de nos raisons. Ou bien, c'est Yaï Boni ou rien. S'il veut être roi, il sera roi chez lui. Dans sa famille ou dans sa maison. Parce qu'on veut qu'il mange la honte. C'est clair. Quand il va quitter, vous allez comprendre. Yaï Boni est encore là, un petit bas. C'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du faux. Le juge veut parler. Viens pour demander la terre de se fendre et de prendre le tribunal. Et nous n'avons pas peur de continuer à parler. Je connais beaucoup de choses. Sur la base des éléments de preuve. Je ne pense pas. Le poisson dort, le poisson voit. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vous savez, je suis un combattant. Je suis un combattant pur, un prototype du combattant. Ils n'ont rien compris. Non. Je sais. Nous saluons ici votre courage. Ils n'aiment pas certaines choses. C'est vrai. C'est un constat. Je suis un guerrier de la liberté et de la démocratie. Des grands guerriers des montagnes de la Takoura. Qui peut quoi contre une montagne, si ce n'est Dieu? Et c'est là l'une des polémiques, les contradictions. C'est sur ce point que je ne suis pas d'accord. Nous disons non. On dira toujours non. Même après Yaï, nous dirons non. Nous sommes là pour vous dire que 2016 s'approche. S'agissant de 2016, quel type de président, quel enjeu spécifique? Maintenant, c'est pour 2016 que vous parlez. Le jour où Rachid Dadamassi sera candidat. Alors, magistrature suprême, wallah, je vais venir dans cela, c'est pas bizarre. Je ne suis pas candidat aux élections présidentielles 2016. Que personne ne vous manipule. Je vous le déclare, je ne suis pas candidat. C'est quoi? Il y a beaucoup de candidatures impertinentes. Il y en a plein. Les gens de 2016, ils sont nombreux dans la salle. Ils sont nombreux. Tout le monde veut être roi. Tout le monde veut être président. Il y a beaucoup de candidatures pour amuser la galerie. Il y a beaucoup de candidatures en aluminium. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le mandat dit qu'il veut voir. Même les gens unis disent qu'il veut voir. La partie dit qu'il veut voir. Nous sommes au laboratoire en train de faire tous les dosages nécessaires afin de sortir ce candidat. Et ils sont là. Ils s'activent. Nous disons non. On dira toujours non. La plupart des candidats que vous voyez, que ce soit l'escargot, que ce soit le mouton, que ce soit le mandia, tous ceux-là qui viennent vous voir, demandez-leur un projet de société. Même après Yaï, nous dirons non. Honteuse mentalité. C'est contre ça que vous devez vous lever. Vrai ou faux? Je suis entièrement d'accord. Nous disons non. Et non.
Il faut qu'on soit vigilant. Vous m'avez dit, soyez vigilant. C'est les gens qui veulent vous diviser. Ceux qui ont choisi de consommer la drogue et de nous troubler doivent faire un choix. Ça, là, c'est clair. Et la jeunesse, vous voulez que la jeunesse reste les bras croisés et observe ce qui se passe? Ils restent dans la localité, ils deviennent des gens paisibles ou bien ils s'en aillent. Voilà ce que je souhaite. Merci. Grand merci. Bon, merci beaucoup. À la prochaine.